Classique de starter. Départ validé pour cette quatrième épreuve, le prix Tech Ray, avec des poulains pouliches de 3 ans, des concurrents qui vont participer sur la distance de 3500 mètres, alors qu'on est resté au poteau avec le numéro 13, Lulu Berlu, les concurrents qui se dirigent maintenant vers le fond de l'hippodrome, avec notamment Spotify, le numéro 7 qui est aux avant-postes, avec le duel, le numéro 4 qui est venu se placer en deuxième position, et Eleven One, le numéro 10, est en troisième position et situé plutôt côté corde, avec également... Et à l'extérieur, Salut Milor, le numéro 11, devant également Pinnacle Down, qui porte le numéro 9, qui vient ensuite, qui est situé plutôt au centre. Et tout à l'extérieur, nous avons Diable d'Auteuil, le numéro 3, suivi également par Corte Coutes, qui porte le numéro 8, qui est tout à l'extérieur. Les concurrents qui sont donc dans le sous-bois, avec toujours Spotify, le numéro 7, qui est aux avant-postes. Le duel, le numéro 4, venant ensuite, est situé plutôt côté corde, on retrouve Diable d'Auteuil qui est, et vient ensuite. On s'est rapproché également avec Tam Konik qui est tout à l'extérieur et qui est venu se placer maintenant eh bien, en 5e, 6e position pour sortir dans quelques secondes du tournant. Et on se rapproche également avec Corte Coutes, le numéro 8 qui est tout à l'extérieur. On retrouve également au centre Salut Milor, le numéro 11 qui est venu se placer pratiquement en tête. Les concurrents qui viennent de sortir du tournant, un peloton particulièrement groupé pour passer dans quelques secondes devant les tribunes, emmené notamment par Tam Konik qui porte le numéro 12, en compagnie également de Salut Milor, le numéro 11 qui vient ensuite en deuxième position. On retrouve Spotify, le numéro 7 qui est le long de la corde et qui est en troisième position. Au centre du peloton, nous avons un Pinnacle Down, le numéro 9, avec à l'extérieur notamment Diable d'Auteuil, le numéro 3. On retrouve également le long de la corde Eleven One qui porte le numéro 10 qui se rapproche à nouveau, se plaçant maintenant en quatrième position avec le duel, le numéro 4 qui est au centre. Et ensuite, nous avons Tuscan qui porte le numéro 2 qui est venu se placer maintenant en sixième, septième position. Les concurrents qui sont donc dans le tournant avec Spotify, le 7 qui est toujours eh bien, aux avant-postes, devant également Salut Milor, le numéro 11 qui eh bien, vient ensuite. Tam Konik également qui porte le numéro 12 qui est à l'extérieur. Ensuite, nous retrouvons tout à l'extérieur Diable d'Auteuil qui porte le numéro 3 qui est à l'extérieur en compagnie de Corte Coutes qui porte le numéro 8 qui est en 4e, 5e position. Ensuite, nous avons Pinnacle Down qui porte le numéro 9 avec Tuscan le 2 et le numéro 10 Eleven One qui est le long de la corde. Suivi également par le duel, le numéro 4. Les concurrents qui sont donc dans le fond de l'hippodrome. On va se diriger dans quelques instants vers le sous-bois avec Spotify, le 7 qui est toujours aux avant-postes, rejoint à l'extérieur par Tam Konik, le numéro 12 qui est venu se placer à ses côtés. Diable d'Auteuil est à l'extérieur en compagnie de Salut Milor, le numéro 11 qui vient ensuite. Un peu plus loin, Corte Coutes qui porte le numéro 8 qui vient ensuite, qui est situé plutôt à l'extérieur pour se diriger dans quelques secondes vers la clairière avec également au centre le numéro 9 Pinnacle Down qui est au centre du peloton pour aborder le tournant. Les concurrents qui sont donc dans le tournant poursuivent son effort tout à l'extérieur avec Corte Coutes, le numéro 8 qui est venu se placer aux côtés et bien notamment de Diable d'Auteuil qui vient ensuite qui est en troisième position pour sortir dans quelques secondes du tournant avec également et bien Pinnacle Down qui fait partie des premiers alors que nous retrouvons un peu plus loin Salut Milor, le numéro 11 qui est situé plutôt à l'extérieur pour sortir du tournant avec Lila Storm également qui s'est rapproché se plaçant maintenant en cinquième position devant Eleven One, le numéro 10 qui est un peu plus loin. Les concurrents qui viennent de sortir à l'instant même du tournant. Il leur reste maintenant eh bien, une haie à franchir avec notamment Pinnacle Down qui est seul en tête devant le numéro 8 Corte Coutes qui est en deuxième position, suivi par Diable d'Auteuil, le numéro 3 qui est un peu plus loin. On vient de chuter avec Eleven One. Nous sommes maintenant un peu plus de 50 mètres du poteau final avec le numéro 9 Pinnacle Down qui s'envole vers la victoire devant le numéro 8 Corte Coutes qui terminera deuxième. Ensuite, nous aurons Diable d'Auteuil, le numéro 3, qui terminera 3e devant le numéro 11. Salut Milor, qui terminera 4e.